Bonjour à tous les amis. Bon ben là maintenant c'est les pronostics de l'Europa League qu'on va faire de nos trois clubs français. Alors Lyon qui va recevoir dans leur stade le Spartak de Prague, Monaco qui va recevoir le PSV Eindhoven et l'Olympique de Marseille qui va recevoir la Lazio. C'est nos trois clubs français qui vont recevoir, qui vont jouer à domicile. Et on est parti pour les pronostics. Bien sûr, il y a deux matchs qui vont se dérouler à 19h et le match de l'Olympique de Marseille qui va se dérouler à 21h. Et on est parti pour les pronostics de l'Europa League. Alors entre Lyon et le Spartak de Prague, je partirai sur une victoire de l'Olympique lyonnaise, 2-1, voilà, parce qu'il y a eu un match spectaculaire à l'aller. Et je pense que là, bon, je pense que Lyon va gagner et Lyon va avoir 12 points, voilà, et va s'assurer quasiment la première place du groupe, parce que je pense que Lyon, ils sont sur une bonne dynamique. En championnat, c'est très moyen, même s'ils sont proches des premières places. Mais voilà, en Europa League, il a joué à fond et je pense que Lyon va s'imposer 2-1. Puis après, nous avons Monaco contre le PSV Eindhoven. Là, je miserais surtout une double chance Monaco ou nul. Mais comme voilà, Monaco a vraiment des difficultés en championnat, je partirais plus sur un match nul entre Monaco et le PSV Eindhoven. Un 1-1 me semblerait logique. Ça condamnerait pas Monaco à la première place ni à la deuxième. Mais voilà, je sais pas. Je pense que Monaco, je sais pas. Je le sens pas pour ce match-là. Ils vont être dans une période un petit peu compliquée. C'est pour ça que je verrais un 1-1 entre Monaco et le PSV Eindhoven. Et puis après, on finit dans un stade Vélodrome qui va être chaud bouillon entre l'Olympique de Marseille et la Lazio. Si Marseille met les ingrédients qu'ils mettent, s'ils jouent bien, s'ils ne font pas d'erreur, normalement, ils peuvent ramener les 3 points. En plus, ils doivent gagner parce que 3 matchs nuls en Europa League, c'est pas bon, même s'ils peuvent encore se qualifier. Mais là, c'est un match très important parce que si Marseille gagne, ils peuvent être deuxième. Ils auront la confiance parce qu'après, ils auront un dernier match à la maison contre le Locomotive Moscou. Ce qui veut dire qu'ils seront dans une bonne position pour se qualifier. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que ça va être un match hyper tactique, hyper serré. Et je verrai une victoire de l'Olympique de Marseille 2-1 contre la Lazio de Rome. Voici mes pronostics de l'Europa League. Dites-moi en commentaire vos pronostics et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao!